passe joyeusement en klaxonnant. Appelons les plus forts. Des machines, des machines, des phares, des pneus, une cabine. Elles t'entendent, arrivent en klaxonnant pour aider en s'amusant. Les véhicules d'assistance. Un transporteur de voitures s'est rendu au garage. Je me demande ce qu'il va faire. Ce sont des voitures de course colorées. Chacune d'entre elles a son propre numéro. 1, 2, 3, 4, 5. Les voitures montent sur le transporteur une par une. La plateforme se lève. Maintenant, elles peuvent partir. Le transporteur chargé des voitures est en train de rouler sur la route. Regarde, un camion de pompiers roule très vite. Il y a un feu quelque part. Attention! Oh non! Les voitures sont tombées. Qui va les aider? Un véhicule sort du grand garage. C'est un camion grue. Il a un aimant sur le bras. Avec cet aimant, il peut ramasser les voitures et les remettre sur le transporteur. Le camion grue est arrivé pour aider les voitures. L'aimant descend et remonte. La voiture jaune est à sa place. Le camion grue a remis la voiture violette à sa place, puis la voiture bleue. Tout est prêt. Ils peuvent reprendre la route. Merci, camion grue. Un circuit de course. C'est là que va le transporteur de voitures. Maintenant, les petites voitures vont faire la course. La plateforme s'abaisse. Les voitures, c'est parti! À vos marques, prêts, partez! Les voitures tournent dans le virage, montent sur la rampe jaune. Elles sautent. Encore des obstacles. Une autre rampe. Oh, la voiture rouge a perdu une roue. Les véhicules d'assistance sortent du garage. Une pelleteuse avec une pince et une dépanneuse. La dépanneuse baisse son crochet. Elle accroche la voiture avec précaution. La pelleteuse ramasse la roue. Elle la répare. Et voilà, tu peux reprendre la route maintenant. Merci. La voiture rouge se dépêche d'atteindre la ligne d'arrivée. Oui, la petite voiture a elle aussi terminé la course. Tout le monde est très content pour la petite voiture. Il est maintenant temps pour les voitures de remonter sur le transporteur et de retourner au garage. Au revoir!
À bientôt les véhicules d'assistance. Les véhicules d'assistance. Voici un champ où les véhicules font pousser des légumes. Les carottes poussent dans ce champ-là. Voici les radis. Les choux sont ici. Tous les légumes sont prêts. C'est le moment de la récolte. Quels véhicules peuvent nous aider? Les arracheuses. Trois arracheuses partent récolter les légumes. Une, deux, trois. Les arracheuses sont là. Où vont-elles stocker les légumes? Un tracteur sort du garage. Ce tracteur a une remorque où l'on peut mettre les légumes. Trois tracteurs vont aider les arracheuses. Tous les véhicules sont présents. C'est parti! L'arracheuse Violette récolte les radis. L'arracheuse orange s'occupe des carottes. Et la bleue des choux. Les remorques des tracteurs sont remplies de légumes. Les arracheuses reviennent au garage. Et les tracteurs livrent les légumes au magasin. Les arracheuses se garent au deuxième étage du garage. Voici les tracteurs. Ils ont également terminé leur travail et rentrent au garage. Merci beaucoup les véhicules d'assistance. Des machines, des roues et des cabines se déplacent.
passe joyeusement en klaxonnant. Appelons les plus forts. Des machines, des machines, des phares, des pneus, une cabine. Elles t'entendent, arrivent en klaxonnant pour aider en s'amusant. Les véhicules d'assistance. L'ambulance sort du garage des véhicules d'assistance. Sur le toit de sa cabine, il y a des gyrophares. Sur le côté, il y a une croix rouge. Derrière, il y a des portes et à l'intérieur, il y a une trousse de secours avec des médicaments. Voici une autre ambulance. Oh, il manque un gyrophare à cette autre ambulance. Retourne au garage et cherche l'autre gyrophare. C'est mieux. Maintenant, tu peux répondre à un appel d'urgence. Une niche. Et à l'intérieur, quelqu'un tousse. C'est un chiot. Le petit chiot a mal à la gorge et il a besoin d'aide rapidement. Voyons ce que l'ambulance a dans son coffre. C'est ça. Une trousse de premiers soins. Et à l'intérieur, il y a un sirop pour la toux. Versons-en une cuillère et donnons-la au chiot. Voilà un gentil petit chien. Maintenant, tu vas rapidement te sentir mieux. Merci, ambulance. Au revoir. L'ambulance bleue répond à un autre appel d'urgence. Un embouteillage! L'ambulance a allumé sa sirène. Tout le monde s'écarte de son chemin. Je me demande où elle va si vite. C'est un chaton. Ça le démange derrière l'oreille. Ça recommence à le démanger. Regarde, chaton, l'ambulance est arrivée. Tu t'en sers pour te gratter? Voyons si nous avons de la pommade pour toi. Saute dans le coffre. Ouvre le pot, prends de la pommade avec ta patte. Et frotte à l'endroit où ça te démange. Cela suffit. Maintenant, le chaton va mieux. Merci à l'ambulance. Les ambulances rentrent toutes au garage. Elles vont se reposer avant de répondre à un autre appel d'urgence. Des machines, des roues et des cabines se déplacent joyeusement en klaxonnant. Les véhicules d'assistance. Devant le garage des véhicules d'assistance, il y a une grue qui travaille. Elle est en train de creuser d'énormes baignoires. Je me demande bien pourquoi.
Les baignoires se remplissent de peinture. Et voici un petit cheval. Est-ce qu'il attend un bus? Les baignoires sont remplies de peinture. Quelle belle couleur! Un bus gris sort du garage. Maintenant, on va te peindre. Le bus s'enfonce dans la peinture. Oh, on ne voit même plus son toit. De quelle couleur est le bus? Rouge. C'est bien ça. Le cheval va monter dans le bus rouge. Mais le chiot est arrivé trop tard. Ne t'inquiète pas, petit chiot. Il y a un autre bus qui sort du garage pour toi. Peignons-le en vert. Comme c'est beau! Le chiot monte dans le bus vert. Une maman chat et ses chatons se dirigent vers l'arrêt de bus. On dirait qu'il manque un chaton. Sa maman l'appelle. Oh là là! Le petit coquin joue avec la peinture. Petit chaton, tu as une patte violette. On va la laver. Maintenant, tu peux aller à l'arrêt de bus. Les chatons vont prendre le bus violet. Est-ce que tu aimes cette couleur? Allez-y, les chatons. 1, 2, 3, 4. Bon voyage, les chatons. Qu'en penses-tu? Où sont passés tous les bus multicolores? Ils sont là. Ils attendent au feu rouge. Rouge, orange, vert. Et les bus repartent. Tous les passagers sont heureux car les bus les emmènent à l'aire de jeu. Le cheval joue dans la piscine à balles rouges. Le chiot veut faire un tour de toboggan. Tu es très courageux. Les chatons sortent du bus violet et courent jouer dans la piscine à balles violette. À l'arrêt de bus, le bus orange avec une bande jaune est arrivé. Ce bus va ramener tout le monde à la maison. Viens, chaton, le bus t'attend. Merci pour votre excellent travail, les bus. Des machines, des roues et des cabines se déplacent joyeusement en klaxonnant. Les véhicules d'assistance. Voici des toboggans multicolores. Une petite voiture rouge passe entre eux.
La voiture essaie de voir ce qu'il y a dans la fosse. La fosse est vide. Il faut la remplir de balles. Qui pourrait nous aider? Allons chercher quelqu'un. Voici un garage d'assistants. Bonjour les camions. Les camions, au travail! Il faut remplir les piscines à balles. Frappons. Oh! Un camion Ben violet. Les balles sont dans la benne. Derrière la porte jaune se trouve un camion Ben jaune. Bleu. Vert. Rouge. Hurrah ! Nous allons remplir la piscine à balles. C'est parti ! Deux, trois, quatre, cinq. Cinq camions Ben se dirigent vers les toboggans. Nous versons les balles violettes dans la fosse violette. Hurrah ! La petite voiture en profite déjà. Elle monte par l'ascenseur et descend le toboggan. Saute ! Que c'est amusant ! Nous versons les balles jaunes. Une petite voiture va descendre le toboggan jaune. Saute! Des balles bleues. Oh non, que s'est-il passé? Une voiture recule. Des balles vertes. C'est parti. Il reste une piscine. Versons les balles rouges.
La petite voiture adore. Merci les véhicules d'assistance. En klaxonnant, appelons les plus forts. Des machines, des phares, des pneus, une cabine. Elles t'entendent, arrivent en klaxonnant pour aider en s'amusant. Les véhicules d'assistance. Voici des petites voitures grises. Elles sont sur les plateformes d'un gros camion. Je me demande bien où elles vont. Le camion les emmène vers des bassins colorés. Les voitures sont vides. Voici un garage. Les véhicules d'assistance partent du garage. Une bétonnière jaune. Que transporte-t-elle dans son tambour ? De la peinture jaune. Et il y a des voitures avec de la peinture bleue au garage, et de la verte, et de la rouge. Les véhicules d'assistance emmènent la peinture dans les bassins colorés. C'est parti! Vert, les voitures sur le toboggan. Elles sont en place. Le tambour se soulève. Le bassin jaune se remplit de peinture jaune. De la peinture rouge remplit le bassin rouge. De la peinture bleue dans le bleu, de la verte dans le vert. Et voilà! Et maintenant, on peut peindre les petites voitures grises. Elles descendent du camion. Une voiture grimpe sur le toboggan jaune. Elle a plongé dans le bassin de peinture. Elle est toute jaune. La voiture numéro 1 est sur le toboggan rouge. C'est parti!
Et maintenant, elle est rouge. La voiture numéro 5 a été peinte en bleu et la 4 en vert. Nous avons peint toutes les petites voitures. Le camion peut repartir. Il est temps pour les bétonnières de revenir au garage. En klaxonnant, appelons les plus forts. Des machines, des phares, des pneus, une cabine. Elles t'entendent, arrivent en klaxonnant pour aider en s'amusant. Les véhicules d'assistance. Regarde, un gros véhicule sort du garage. C'est une grue. Elle a une lourde boule en métal au bout de sa flèche. Quel genre de véhicule se trouve derrière la porte de garage jaune? Un camion-citerne jaune. Un camion-citerne bleu. Un camion-citerne vert. Et un camion-citerne rouge. Mettons de l'eau dans la citerne. Oh ! Il y a des balles dans les camions-citernes ! Je me demande bien où les voitures les emmènent. Rouge, arrêtez-vous. Orange, vert, allez-y. Maison avec un toit jaune. Grue, appuie sur le bouton, s'il te plaît. Doucement. Bien joué! La porte s'ouvre. Des balles jaunes et un poisson jaune. Le poisson jaune saute dans le camion-citerne. Saute! La grue va ouvrir la maison suivante. Une maison avec un toit bleu. Des balles bleues et un poisson bleu. Saute dans le camion-citerne. Ouvrons la maison au toit vert.
des balles vertes et un poisson vert. Saute! Cette maison a un toit rouge. Nous l'ouvrons. Un poisson rouge habite dans cette maison. Saute! Ah, c'est une piscine à balles. Et maintenant, les véhicules la remplissent avec des balles de différentes couleurs. Beaucoup, beaucoup de balles. Et voilà un poisson. Nage, poisson. Un autre. Un autre. Encore un autre. Maintenant, les poissons en jouets vont habiter ici. En klaxonnant, appelons les plus forts. Des machines, des phares, des pneus, une cabine. Elles t'entendent, arrivent en klaxonnant pour aider en s'amusant. Les véhicules d'assistance. La voiture violette numéro 6 est lancée sur la route. Oh mon Dieu, c'est une branche d'arbre. Fais attention. Regarde, l'arbre grandit. Et maintenant, la branche bloque la route. Je me demande si la voiture jaune peut passer. Non, elle ne peut pas. La branche est en plein milieu du chemin. Et maintenant? Oh, la petite voiture a sauté par-dessus la branche. Mais la branche est toujours en travers du chemin. Qui peut aider? Les véhicules d'assistance! Les véhicules d'assistance sortent de leur garage. Nous avons besoin de ton aide! Un arbre bloque la route! Personne ne peut passer! Maintenant, il y a un embouteillage. Nous devons enlever l'arbre de toute urgence. Le grenier, avec sa griffe puissante, essaie de déplacer la branche. Ça ne marche pas. Là. Le chariot élévateur a apporté une tronçonneuse. Il commence à scier très prudemment, petit à petit. D'abord ici. Puis cette branche. Et la dernière partie. C'est parfait! Maintenant, le grumier enlève toutes les branches coupées et les voitures peuvent toutes passer.
Les véhicules d'assistance ont décidé que le grand arbre ne devait pas pousser au bord de la route. Ils doivent le déterrer et le planter ailleurs. La pelleteuse déplace la terre avec sa grande pelle. Ils doivent creuser tout le sol autour de l'arbre pour ne pas endommager les racines. Encore un peu. Le grumier saisit le tronc avec sa griffe et arrache l'arbre du sol. Ils vont planter l'arbre dans le parc, juste ici. La pelleteuse finit de creuser le trou pour l'arbre. Voilà, c'est fait. Le camion-citerne a apporté de l'eau. S'ils veulent que l'arbre pousse bien à son nouvel emplacement, ils doivent lui donner un coup de main. Quel beau cadeau pour le parc! Merci les véhicules d'assistance!